pub. Madame, toujours quand tu coupes mes habits, ça ne dure jamais. Regarde ce que tu as fait. Hein? Ce n'est même pas fait une semaine, c'est déjà défait. Mais madame Kofi, moi je trouve des fils de très bonne qualité. Ça, c'est fils de bonne qualité, ça. Tu connais ce qu'on appelle fils de bonne qualité. Regarde ça bien. Regarde. À partir d'aujourd'hui, tous mes habits, champions. Les habits de mon mari, champions. Les habits de mes enfants, champions. Tu as compris? Champion. Eh oui, exigez le fil à coudre champion 100% polyester, résistant et garanti. Un produit fabriqué en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Leitmotiv, votre émission d'inspiration et de motivation. Pendant tout ce mois de juillet, nous avons décidé de faire une immersion dans le domaine du bâtiment et de la construction immobilière en marge du Philos 2016, le Forum international du logement social, économique et standing. Quels sont les acteurs qui interviennent dans ce secteur d'activité et quel est leur parcours? Quels sont les débouchés en termes d'emploi pour tous ces jeunes qui rêvent de travailler dans ce domaine? Et enfin, quelles sont les difficultés que vivent au quotidien les entrepreneurs en bâtiment? Pour ce premier numéro consacré au métier de la construction immobilière, nous recevons M. Sangaré Siriki, président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs de Côte d'Ivoire. Et toujours sur ce plateau, nous recevons aussi M. Abdoul Massi Nabil, PDG d'Inox Capital Gestion des fonds d'investissement. Alors, la première question qui nous vient en tête, c'est pourquoi ce forum des logements sociaux? Alors, je vous remercie. Je pense que depuis un certain moment, nous avons constaté que la Côte d'Ivoire a un problème de déficit de logements. Et aujourd'hui, nous avons, avec les statistiques, constaté qu'il y a un déficit très chronique de logements. Et ce déficit se chiffre à 500 000 logements. Structurellement parlant, ça revient à peu près à 50 à 60 000 logements par an. Lorsque vous voyez autour de vous, pendant les saisons pluvieuses, vous voyez dans les quartiers précaires, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être logées. Et au-delà de ce problème de logement, il y a eu beaucoup d'insuffisances dans la mise en place du programme présidentiel qui a été initié depuis 2013 et qui a connu un engouement. Certes, il y a eu des promoteurs qui ont été sélectionnés, il y a eu des chantiers qui ont été lancés, il y a des logements qui sont sortis de terre, mais il y a des problèmes qui subsistent par rapport à la mise en place de ce programme présidentiel-là. Je précise tout simplement que normalement, il était prévu de faire 60 000 logements, mais aujourd'hui, le gouvernement a vu l'ampleur et l'engouement des Ivoiriens, veut passer à 150 000 logements. Donc, ça nécessite vraiment tout un mécanisme qu'il faut mettre en place, notamment au niveau du foncier, au niveau du financement et au niveau, comme on appelle, de la fiscalité. Donc, c'est tous ces aspects-là qui vont constituer, en fait, les résolutions que nous allons prendre au niveau de ce forum-là. Et le forum a pour objectif, évidemment, de réunir tous ces acteurs-là, de sorte que nous puissions trouver une solution et qu'au sortir de ce forum, nous puissions faire face à la demande massive de tous les Ivoiriens qui ont droit au logement et qui ont besoin d'être logés. Nous avons demandé donc à notre ministère de tutelle, qui est dirigé par le ministre Nyamien Kona, de présider le forum, de sorte que nous puissions trouver des solutions et que le gouvernement ensemble et les promoteurs puissent satisfaire en fait le besoin en matière de logement. D'accord. Alors, si vous le voulez bien, M. Sangaré Siriki et M. Abdoul Massi Nabil, nous allons revenir un peu sur vos parcours respectifs avant donc d'être là au Philos. Quels sont vos premiers pas dans le milieu professionnel? Alors, ça remonte à très longtemps. Après mes études, j'ai commencé évidemment à travailler parce que je suis ingénieur en génie électrique, à travailler dans l'électricité, et notamment dans l'électricité industrielle, dépannage dans les, comment on appelle, les usines de conditionnement de cacao, dont j'ai d'abord travaillé dans une société franco-ivoirienne qui vendait du matériel électrique. Donc, j'étais directeur technique. Cela remonte à très longtemps. Et par la suite, je me suis spécialisé dans le négoce, donc dans la mise en marché, comme on appelle, des matières premières, notamment le café et le cacao. Donc en tant qu'exportateur, et je travaillais dans une société où on exportait près de 120 000 tonnes de cacao par an. Mais comme je dis tout le temps, l'école c'est un parchemin. L'objectif que nous avons, c'est l'école de la vie. Il faut réussir l'école de la vie. Donc c'est par rapport à ça que nous nous sommes retrouvés dans ce domaine-là. Il ne s'agit pas
forcément d'exercer ce qu'on apprend à l'école, mais d'exercer, bien exercer ce que nous faisons quotidiennement. Aujourd'hui, de la théorie à la pratique. Merci. Et au-delà même de la pratique, c'est de faire des métiers, comme on appelle, qui sont quand même proches du social. C'est pour ça que les logements sociaux nous ont motivés. Je pense que quand nous logeons des gens, nous sommes très contents. Et donc depuis 2 ou 3 ans, voire même 4 ans, nous nous sommes intéressés au secteur. Et aujourd'hui, avec notre société, nous sommes en train de réussir certaines opérations. Et je pense que avec tout ce que nous sommes en train de faire comme résolution au niveau du forum, nous allons réussir notre objectif. Je pense que c'est la population qui va être vraiment heureuse. Justement. Je crois et ça sera très, très satisfaisant pour nous. D'accord. Alors, M. Abdou Massi Nabil, vous allez nous parler un peu justement de votre parcours jusque-là. Effectivement. Alors, humblement, je vais utiliser une anecdote. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans ma jeunesse et qui m'a guidé tout au long de ma vie professionnelle et je dirais même de mes études. Et comme M. Sangaré le disait si bien ainsi que vous, l'école de la vie est avant tout le premier des maîtres, je dirais. Et dans ce cas-là, ça me relie à la Côte d'Ivoire puisque j'ai eu le bonheur de naître ici et malheureusement de vivre une période troublée de la Côte d'Ivoire dans mon enfance qui était la guerre de la Côte d'Ivoire contre les multinationales et la guerre du cacao, comme ça a été appelé, et du stop deal de la vente de cacao par rapport à la chute du prix de cette matière première sur les marchés à terme. Et je m'étais juré que toutes mes études ne serviraient en fait qu'à essayer de trouver des solutions pour pallier à cette dictature inique ou je dirais illogique des marchés financiers. Et malheureusement, ça m'a amené au marché financier. Parce qu'effectivement, on ne peut pas stopper une rivière. Il y a meilleur intérêt à contrôler son flux et afin de le guider de manière efficiente là où il peut avoir le plus d'effets positifs. Et donc, chemin se faisant, j'ai travaillé dans les financements structurés sur les matières premières tout d'abord. Et ensuite, j'ai rejoint une entreprise qui a pour but de gérer des fonds d'investissement qui justement choisissent des terreaux dits difficiles comme les matières premières ou le logement social, pour apporter des solutions avec un volet très important sur les externalités positives qu'on a communément appelé le développement durable ou l'impact investing ou l'investissement éthique, afin non seulement de générer du revenu pour les populations locales, pour les investisseurs, mais aussi avoir des effets induits ou des effets connexes positifs en termes de développement durable, réduction de la pauvreté, autosuffisance alimentaire, corporate governance et tous ces aspects qu'on appelle ESG et SRI. D'accord. Et voilà. Alors, à cette époque, quels étaient vos objectifs et est-ce que vous pensez les avoir atteints ? Alors non, parce qu'en fait, on n'atteint jamais ces objectifs quelque part et chaque jour, on en a de nouveaux. C'est ce qui fait progresser l'homme quelque part et c'est ce qui est un challenge, c'est de jamais se satisfaire positivement de ces résultats et de toujours chercher à exceller. Et je pense encore, je dois cette qualité, je dirais, à l'éducation que m'a donnée ce pays, puisque j'ai fait mes études primaires et une partie de mes études secondaires en Côte d'Ivoire. Et c'est, je dirais, ce que m'a inculqué cette volonté de croissance, d'émergence, de toujours se surpasser. Donc, je ne pense pas que on n'atteindra jamais nos objectifs, mais du moins, on essaye. Oh, je suis loin d'atteindre mes objectifs. Je ne cherche même pas à atteindre mes objectifs, mais je cherche à bien faire ce que j'ai à faire. Comme le disait très bien tout à l'heure M. Marc Nabil Abdoul Massi, l'objectif, c'est un aboutissement. Nous sommes dans un monde qui chaque jour change de données. Nous devons nous adapter. Mais l'objectif qu'on s'est fixé, c'est difficile d'atteindre. Mais en milieu de parcours, on peut quand même faire un bilan. Expliquez-nous, Monsieur Nabil, quelle est la différence entre un fonds d'investissement et une banque classique et quels sont les critères d'éligibilité pour bénéficier d'un fonds d'investissement? D'accord. Alors, par essence, un fonds d'investissement n'a pas vocation à remplacer un intermédiaire financier comme une banque. Mais cependant, sur certains métiers, ils peuvent se retrouver en partenariat ou en synergie. Un fonds d'investissement, comme son nom l'indique, a d'abord pour but d'investir. Donc de placer le capital et d'apporter le capital à une entreprise qui est en croissance. Il peut le faire de différentes manières, il peut le faire au travers d'une prise de participation,
il peut lui faire en termes de mezzanine, c'est moitié de la dette, moitié des participations, ou faire de la dette directement à court terme, moyen terme ou long terme. Et il vient surtout en appui pour renforcer les capacités financières d'une entreprise. Tandis que la banque, en général, va plutôt chercher à répondre aux besoins ponctuels que l'entreprise peut avoir dans ses besoins de fonctionnement. Donc, en général, un fonds d'investissement va avoir une politique d'investissement qui est forcément à court, moyen et long terme. Et elle va essayer de s'inscrire dans la durée afin d'accompagner l'entreprise dans sa croissance et à ses différents niveaux de maturité, décider oui ou non d'un commun accord avec l'entreprise s'il peut y avoir facteur à mariage. Quand on dit facteur à mariage, c'est-à-dire que la partie qui apporte le capital et la partie qui l'utilise voient plus de synergie dans une association que dans une relation contractuelle. Donc en fait, c'est une approche qui est légèrement différente, mais qui a pour but principal d'apporter du capital de croissance. On constate, M. Sangaré, qu'il y a une floraison d'entrepreneurs en bâtiment. En tant que président de la Chambre des promoteurs et constructeurs de Côte d'Ivoire, n'avez-vous pas peur que le secteur du bâtiment soit saturé ? Je pense que déjà, il faut encourager les entrepreneurs. C'est une bonne chose qu'il y ait une floraison d'entreprise. C'est une très bonne chose que les gens comprennent que l'État ne peut pas satisfaire tout le monde du point de vue emploi, que la fonction publique a des limites. Ça, c'est une bonne chose, j'encourage ça. Mais en même temps, il faut que on ne peut pas parler de saturation parce que les demandes en matière de logement, il y en a. Construire 400 000 logements, 500 000 logements, avec tous les problèmes que nous rencontrons, bon, on va trouver des solutions, ce n'est pas pour demain. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, c'est une très bonne chose. Mais en même temps, il faut que ces gens-là soient bien formés. Il faut, parce que loger des gens sous-entend prendre en main leur vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas construire des maisons au demain. En plein sommeil, la maison se trouve sur toute une famille. Donc, il faut réglementer la profession. Alors, je vais peut-être plutôt prendre la question à l'envers. Est-ce que ces promoteurs ou ces entrepreneurs qui sont là sont des entrepreneurs promoteurs de qualité ? Là, je crois que c'est pour ça d'ailleurs quand vous voyez la dénomination de notre chambre, c'est marqué Chambre nationale des promoteurs et consulaires agréés de Côte d'Ivoire. Il faut un agrément. Et l'agrément, en fait, ça sous-entend qu'il faut remplir un certain nombre de conditions. Ces conditions, évidemment, il faut avoir, comme on appelle, la technicité, il faut avoir des financements, il faut être sérieux. Donc nous faisons un tri, c'est pas tout le monde qui arrive à être promoteur. Hein. Parce qu'il y a eu un moment donné où la profession était une profession qui était mal vue par un certain nombre d'Ivoiriens parce qu'il y a des promotions immobilières qui ont commencé, qui n'ont jamais abouti, il y avait beaucoup de problèmes. Pour pallier à tout ça, nous avons essayé quand même d'assainir la profession et de permettre à tous ceux qui veulent être entrepreneurs, parce qu'il faut encourager quand même le secteur privé. Alors, Alors, les fonds d'investissement que nous avons le plaisir de gérer ont déjà investi en Côte d'Ivoire déjà depuis 2005. Donc, à l'époque où justement tout le monde fuyait la Côte d'Ivoire, nous étions présents et depuis nous sommes toujours présents dans différents secteurs de l'économie, en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et ailleurs dans d'autres pays émergents de par le monde. Précisément dans l'immobilier, oui, effectivement, depuis décembre 2012, nous avons mis en place un de nos fonds d'investissement à apporter son soutien à un promoteur national sur deux promotions totalisant un peu plus de 800 unités sociales, dont près de 400 sont déjà terminées, sorties des terres, et le reste dans de très fortes, dans de très, très proches échéances. En tant que chef d'entreprise, êtes-vous satisfait à votre niveau de formation de ces jeunes que vous embauchez ? Justement, c'est très bien, c'est une très bonne question. Depuis que nous avons commencé, bien entendu, notre opération, on a connu des insuffisances au niveau de la formation des jeunes. Bon, ça s'explique, hein. Nous venons de sortir d'une crise très profonde. Il y a un problème crucial aussi de manque d'emploi. Et donc les jeunes, en faisant leur formation, comme je dis, après se retrouvent en train de travailler sur des chantiers où n'est pas la formation avec qui j'ai sur mon chantier. Certaines personnes même qui ont fait du droit, qui ont fait de la maîtrise en sciences éco, qui se retrouvent malheureusement en train de monter des briques. Par manque de travail et c'est très difficile. Donc nous avons mis à cet effet, comme on appelle,
des possibilités de formation. Nous sommes en train de discuter avec justement un groupe d'experts français pour mettre en place des centres de formation des apprentis en réseau. Et ce centre de formation des apprentis en réseau, c'est l'école qui se déplacera sur les chantiers pour former, comme on appelle, nos différents ouvriers. Directement sur les chantiers pour qu'ils soient directement opérationnels. Parce qu'ils ont déjà appris à l'école l'alphabet. Donc il faut leur apprendre l'alphabet technique sur le terrain. Et ça sera donc, des formations de combien de temps? Ça sera des formations de 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ça dépendra en fait de la capacité de chacun. Mais rassurez-vous que ce ne sont pas que les apprentis, les ouvriers qui seront formés. Il y a aussi les promoteurs qu'on va former pour pouvoir suivre aussi leur chantier de manière efficace. Pub. Je suis M. Nda Yassine. J'ai entendu parler de la politique des logements sociaux. Au début, j'y croyais pas. Mais aujourd'hui, je suis fier d'avoir acheté ma première maison à la cité OPS 1 de Benjaville. OPS Holding SA, promoteur immobilier et constructeur, vous propose des duplex, des villas, des logements sociaux, économiques et standing dans un cadre convivial et sécurisé, à la portée de tous. Vous savez, dans la vie, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. OPS Holding. Mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Pub. Salut Corinne, salut à tous nos téléspectateurs de Leitmotiv. Pour le grand format de cette semaine, nous sommes à la caisse table où se tient la première édition du FILOS, le Forum international du logement social, économique et standing. Je vous propose d'aller à la rencontre des acteurs de ce secteur, de découvrir les opportunités d'emploi et de création d'entreprises dans le domaine du bâtiment. Tout de suite, le grand format consacré au FILOS 2016. Ah. Tu sois riche ou pauvre, au fond c'est la même. Les mêmes comptes à rendre devant le tout puissant. J'essaie de garder la foi, en tranger des mots. Je pète les deux à la fois. Maman me fait confiance, elle dit que je suis un bras. Pour la sortir des soucis, je peux laisser un bras. Le bête compte sur moi à la fin du mois. J'ai plus la force pour lever le voile. Toujours les mêmes, j'ai pas changé. J'ai blessé des gens. Est-ce qu'aujourd'hui y a-t-il une vraie insertion des jeunes à partir du métier du bâtiment? Oui, vous pouvez être rassuré. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur la jeunesse. Et les jeunes sont beaucoup insérés. Vous savez, dans le métier du bâtiment, il y a plusieurs corps d'État. Et ces corps d'État ont besoin de main-d'œuvre qualifiée. Nous sommes en train d'ailleurs de créer des centres de formation, des apprentis par réseau. C'est-à-dire qu'on les formera directement sur les chantiers. Il y a un engouement de la jeunesse. Il y a des gens qui ont même fait des études universitaires qui se reconvertissent dans le bâtiment. J'ai sur mon chantier certaines personnes qui ont des maîtrises en droit ou en mathématiques, mais qui aiment le métier du bâtiment. Nous sommes d'abord venus représenter la présidence de la République, notamment le secrétaire général Amadou Gonkoulibaly, qui a été invité à ce forum. Vous savez que c'est le premier forum sur le logement social dans notre pays. Depuis 2012, le chef de l'État a lancé cette initiative de construction de logement social en faveur de nos concitoyens. Ce forum, nous l'espérons, avec les panels qui seront organisés, permettra d'aborder les vraies questions et de voir comment les quelques difficultés qui pourraient exister dans l'atteinte des objectifs, comment lever ces difficultés. Et vu la qualité des personnes qui ont été invitées, nous espérons que ces questions seront réellement abordées et que des véritables solutions seront préconisées. La seconde chose, nous avons cru comprendre que la question de l'emploi des jeunes sera au cœur des discussions. Vous savez que le secteur du bâtiment est un secteur promoteur à fort potentiel de création d'emplois, donc nous sommes curieux de savoir quels sont les nouveaux métiers du bâtiment, quelles sont les opportunités que le secteur du bâtiment peut offrir à cette jeunesse en termes de formation, en termes d'emploi. Et nous espérons donc que ce forum permettra aussi d'esquisser quelques solutions pour résorber la question donc du chômage des jeunes. Non, t'inquiète pas, ton fils va tenir le coup, je me plains pas, j'ai la meuf qui m'entoure. On dit que j'ai prié à l'enceinte en mon maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le sang, je me demande quel sera. DSK, le beat. Nous sommes au deuxième jour du FILOS 2016. Allez, suivez-moi. Personne n'est noir, mais quand elles sont claires,
Alors, je suis en compagnie d'un visiteur à ne plus présenter qui s'intéresse aussi au bâtiment. Alors, bonjour monsieur Dié. Bonjour belle dame, comment allez-vous? Ça va très bien. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette première édition du Philose? Ben, moi, je pense que c'est une très très bonne chose. Il faut absolument qu'une solution adéquate soit trouvée au problème de logement auquel sont confrontés donc de nombreux Ivoiriens. Donc, si c'est pour faire un salon, c'est qu'on est passé à côté. Mais si de ce salon, on peut sortir avec des propositions de solutions, je veux dire que ça va être une chose extraordinaire. Je sais que vous faites votre travail, mais vous rêvez d'avoir votre maison. Exactement. Mais si on ne crée pas les conditions pour que vous puissiez avoir votre maison, je veux dire que tout ça, ça n'aura pas servi à quelque chose. Je suis venu particulièrement parce que j'ai un projet qui est en cours. Donc je suis intéressé par le nouveau matériel qu'on présente à cette exposition, c'est pour ça que je suis là. Et alors pour les premiers pas, la satisfaction y est? Oui, je suis très satisfait. Vous vous retrouvez déjà? Je me retrouve déjà, oui. D'accord, c'est bien à savoir. Voilà, donc pour la première édition. C'est pour ça que j'ai choisi les stands sur lesquels je dois aller pour voir ce qui m'intéresse. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Nous avons un petit déficit en Tunisie, mais pas de cette ampleur comme cette ampleur ici en Côte d'Ivoire. Nous, les propriétaires de logements, ils occupent 75-80% de la population tunisienne, ils sont propriétaires. Voilà. Donc nous avons souvent un déficit, mais pas de cette ampleur. Moi, j'ai entendu parler de 90% de besoins. Oui, on parle de 600 000, un projet de 600 000 logements. Oh, c'est bien à savoir, ouais. Non? Oui, oui, mais il faut le concrétiser. Et nous, on est là pour le transfert des technologies, de notre savoir-faire, de notre expertise de 37 ans et 38 ans de métier. Donc, on est ouvert à tout type de partenariat avec nos amis ivoiriens. On va snapper nos vrais habits, on va snapper nos vrais amis, nanana. S'en fout de tous les aigris, nanana. Sortez les bigots, sortez les bigots, oui, sortez les bigots. Allô Corinne, c'est ici que s'arrête ce numéro du grand format consacré au Philose 2016. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ce numéro du grand format a été réalisé par Afi Kwasi. De retour avec nos invités, je rappelle à ceux qui viennent de nous prendre en marche que nous faisons une immersion dans le secteur de la construction immobilière en marge du Philose. Alors, de plus en plus, les jeunes veulent se lancer dans le bâtiment en tant qu'entrepreneurs, mais quelles sont les difficultés auxquelles ces jeunes doivent s'attendre? Il n'y a pas que dans le bâtiment, il y aura des difficultés. Et ces difficultés, c'est d'abord la crédibilité et la connaissance de soi-même. Quand l'homme le plus intelligent du monde, c'est celui qui connaît ses limites. Si ces jeunes-là connaissent leurs limites et que ces jeunes-là savent, les parents qu'ils savent qu'entreprendre sous-entend qu'il faut beaucoup de sacrifices. D'abord, la gestion, c'est le plus important. Parce qu'un entrepreneur, il travaille, il est entouré de techniciens. Il doit gérer les hommes, les ressources humaines. Il doit gérer les financements. Il doit gérer, comme on appelle, la technicité du chantier. Ce qu'on peut leur dire, c'est que la difficulté qu'ils vont rencontrer, évidemment, c'est comment lever des financements pour pouvoir travailler. D'ailleurs, je crois que ces jeunes-là, leur question, c'est surtout ça. Comment je vais financer? Mais pour quelle banque vous finance? Il faut que la banque sache d'abord que vous avez la capacité technique de réaliser un projet. Tout à fait. Et que le projet que vous allez réaliser est à un business plan, un plan d'affaires vraiment satisfaisant. Il ne s'agit pas que de ça, parce que le business plan, le plan d'affaires, c'est sur un papier. Maintenant, dans la pratique, il faut que les jeunes s'agissent de la autre chose. Oui, c'est tout autre chose. Il faut de la rigueur. Il faut qu'ils soient rigoureux avec eux-mêmes. Avec eux-mêmes. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a une floraison d'entreprises, mais je crois que c'est encouragé. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas tout encouragé. Tout à fait. Mais il faut une rigueur de gestion. Alors, Monsieur Massi, juste un dernier mot pour la fin. Comment est-ce que vous vous projetez après ce forum ici en Côte d'Ivoire? Alors, dans le cadre du Philose, bien évidemment, nous attendons avec impatience le résultat des échanges, des déterminations et des solutions qui auront été proposées pour résoudre et répondre aux besoins du secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire et de l'attente importante, comme l'a dit Monsieur Sangaré, des populations et surtout des populations les plus défavorisées pour un accès au logement. Et évidemment, nous sommes présents, nous continuons à être présents dans le cadre du secteur immobilier. Nous sommes désireux d'accroître notre présence, bien évidemment. Et nous espérons avoir et être appelés à supporter encore à nouveau dans les prochaines années et lors des prochaines éditions
le forum qu'est le Philos et évidemment tout autre forum similaire qui essaierait de répondre dans les autres secteurs d'activité en Côte d'Ivoire et dans la sous-région aux problèmes génériques qui nous touchent au-delà de l'aspect financier, c'est-à-dire le travail des jeunes, comme je l'expliquais, la réduction de la pauvreté, l'autosuffisance alimentaire et la corporate governance. D'accord. Mais merci beaucoup, M. Massé. Merci. Merci beaucoup de cette... Et nous vous souhaitons justement beaucoup de succès dans tout ce que vous allez entreprendre ici en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Alors, M. Sangaré, un dernier mot pour la fin. Je vous remercie. Donc, je pense que les téléspectateurs ont suivi avec intérêt cette émission. Je profite encore de votre micro pour remercier non seulement... tous les organisateurs du Philos, mais aussi tous les membres de la Chambre des promoteurs et constructeurs agréés qui travaillent d'arrache-pied et qui ont permis la réussite de ce Philos-là et qui ont des chantiers, comme on appelle, sur lesquels ils travaillent d'arrache-pied. Au-delà des acquéreurs classiques qu'on connaît, des fonctionnaires, tout ça dans les banques, l'État aussi doit se pencher, bien évidemment, sur le secteur informel. Il y a des gens qui travaillent dans le secteur informel, qui n'ont pas de revenus, comme on appelle, de manière régulière, mais qui amassent beaucoup d'argent. Et un fonds puisse sécuriser évidemment les banquiers pour pouvoir permettre de financer ce secteur-là. Alors messieurs, je vous remercie. Monsieur Sangaré, merci. Et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Et nous vous disons donc à très bientôt. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv. Et n'oubliez pas de croire en vos rêves tout en vous donnant les moyens de les réaliser. Que Dieu vous garde.